mardi le 13 juillet 2018 et je rends grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur Jésus qui nous utilise parce que nous, on est un simple instrument qu'il utilise. Et ce soir, je crois que le message est sorti vraiment puissamment. C'est Dieu qui a mis l'onction au travers, bien à travers le message. Et que les gens ont reçu le message. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées et cette nuit. Et beaucoup ont reçu la guérison, la délivrance. Et je dis merci au Seigneur. Je dis souvent que ce travail, ce n'est pas un travail que j'ai une fois désiré, mais c'est Dieu qui m'a tenu les deux mains et je ne peux pas m'en sortir. Donc, je suis obligé de faire son travail. Et je le fais avec joie. Et il a dit que si une seule âme est sauvée, il y a une grande fête dans les cieux. Donc, ce soir, j'ai vu qu'il y a plus d'une âme sauvée. Donc, la fête est tellement grande dans les cieux. Donc, aussi, moi, je me réjouis et je suis très content. Et aussi, je remercie Dieu pour la vie de mes collaborateurs, les pasteurs qui travaillent avec nous, qui étaient sur le terrain depuis le mercredi et qui continuent par travailler jusqu'à dimanche. Donc, je suis très fier d'eux et je suis très content de cette grande campagne, bien croisade d'évangélisation ici à Tablico et au Togo, c'est au sud du Togo. Aujourd'hui, je dirais que c'est très spécial parce que c'était mercredi depuis on a débuté. Et cette journée est vraiment consacrée pour nous. Dans la matinée, les pasteurs et ensemble, nous avons reçu les malades dans le temps. On les a aidés spirituellement. Les gens trouvaient des délivrances et des guérisons. Et puis, dans notre programme, dans la soirée à 15h, comme ça, nous sommes sortis sur le terrain et on avait fait porte à porte. On a essayé de voir la plus grande partie de la population du Tabibo, là où nous avons sillonné. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a aussi des âmes qui se sont données à Dieu. Donc, et dans la soirée, nous sommes revenus pour faire plein air. Et Dieu nous a aidés si nous avons essayé de projeter un film pour que tout le monde ensemble, nous avons pu tirer des leçons, nous avons pu tirer quelque chose. Et cela nous a démontré la puissance de ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et nous sommes ici à Tabligbo pour le compte de l'évangélisation organisée par Action Bethesda en collaboration avec Daga Foundation. Daga Foundation est une organisation sociale basée aux États-Unis et qui a sa représentation au Togo. Et nous disons sincèrement merci à Dieu pour la tenue de cette campagne d'évangélisation parce que l'homme propose, Dieu dispose. Si Dieu n'a pas permis, nous ne serions pas là. Donc c'est un programme qui a été vraiment disposé ou mis en place par Dieu lui-même et il commence déjà par se manifester. Les activités ont commencé depuis le mercredi. Aujourd'hui, ça continue, aujourd'hui le vendredi. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est lors de l'appel à la conversion, le nombre d'âmes qui sont sorties très nombreux. Il y a les enfants, bien sûr, mais il y a beaucoup d'adultes, des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont... nous, on dirait simplement ou facilement accepter, donner leur vie à Jésus. C'était vraiment un grand miracle. C'était vraiment un grand miracle. Ce n'est pas ordinaire. Souvent, il y a peu de personnes qui sortent, mais aujourd'hui, le nombre a été très élevé. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est passé par le messager, l'évangéliste Adolphe Dagan, pour toucher le cœur. Nous constatons que dans ces localités, Satan a attaché beaucoup d'âmes. Des gens souffrent de la maladie, des gens ne réussissent pas dans leurs affaires, et puis rien ne réussit à leur niveau. Mais nous pensons que notre passage ici à Tablibo, plus précisément dans le quartier, est une étape qui va changer vraiment la vie de ceux qui ont participé. Les malades ont été guéris, les personnes qui sont dans les liens démoniaques ont été vraiment délivrées. Et que la gloire soit rendue à Dieu. Et nous profitons de l'occasion pour dire merci à Dieu pour la vie de ceux qui ont contribué à la tenue de cette campagne d'évangélisation. Premièrement, les organisateurs, les premiers responsables de Action Bethesda, nous leur tirons chapeau. Que Dieu les bénisse.
ceux qui ont prié également pour la campagne, nous disons merci à Dieu pour leur vie. Ceux qui ont donné leur argent, Daga Foundation a investi, les membres sympathisants, les membres d'Action Bethesda, tout le monde a participé, a mis la main à la poche. Vraiment que Dieu les bénisse et leur rende au sentier. Tous les pasteurs, les évangélistes qui ont abandonné leurs églises, qui ont abandonné leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pour venir participer à cette campagne d'évangélisation, que Dieu les bénisse. La sonorisation aussi a fait un bon boulot, que Dieu les bénisse. Les photographes, les caméramans qui ont quitté depuis Lomé pour traverser plus de 70 km pour venir ici, que Dieu les bénisse. Soyez-en infiniment bénis. Que le Seigneur bénisse.